Now, to the book per se. This is here are the notes I prepared to present this book. I hope they're going to be clear enough for you, for every one of us. So let's get started. Crépuscule du tourment by Miano, published in 2016 by Grasset in Paris. The publishing house is Grasset, 2016. Okay, let me start with some sort of synopsis. Okay, the book, what is it exactly? What is to be expected? The presentation is in French, naturally, but the introduction is a bit kind of in English, just to make that that work a bit accessible to anyone, French speakers and English speakers. Le crépuscule du tourment, donc, by Leonora Miano. Voici donc ce que je peux vous dire à ce sujet. Sorry about that. Crépuscule du tourment, c'est, voilà, on vous dira, c'est le roman qui trace le parcours de quatre femmes. Quatre femmes. C'est les personnages principaux, on va dire. Madame Moussoussedi, Ixora, Amandla et Tiki, qui est donc la plus jeune des quatre. Alors, quatre femmes qui donnent donc l'occasion à Madame Miano de couper le livre en quatre chapitres. Alors, il y a un cinquième personnage, ou on va dire, oui, il y a deux personnages secondaires, de second plan, on va dire. Le cinquième personnage est un peu important, il s'appelle Double B. Double B, qui n'a pas de chapitre à lui dédié, mais il représente le lien qui, finalement, le lien entre ces quatre personnages principaux dont je viens de parler, ces quatre femmes. Donc, de ce fait, il a beau être un personnage d'arrière-plan, de second plan, il est un personnage important parce qu'il relie les quatre femmes dont nous venons de parler. Donc, son portrait est fait relativement en creux. C'est dans le portrait des quatre femmes que nous retrouvons, en fait, le mini-portrait de Double B. Quel genre de personnage il est, on le saura à travers le prisme de ces quatre femmes. Alors, donc, Double B est le fils de Madame Moussoussedi, d'accord ? Il est aussi l'amant d'Amandla et le fiancé d'Ixora. Et dans un dernier temps, il est donc le frère de Tiki, le personnage féminin le plus jeune, comme on a dit. Donc Tiki et Double B sont frères et sœurs. Et leur maman, c'est Madame Moussoussedi. Alors, les quatre personnages féminins, ces quatre personnages de la première à la dernière page, essaient, avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de talent, de s'émanciper, on va dire, de la violence patriarcale. Ça a l'air d'être blanc sur noir, assez clair. Madame Moussoussedi est assez fortunée. Contractée, c'est un mariage de raison qui a été contracté, on reviendra dessus. Le mariage arrangeait bien son mari, Monsieur Moussoussedi, parce que elle a un petit peu d'argent, elle est un petit peu fortunée. Et donc c'est elle va acheter. Donc la maison familiale dans laquelle tout le monde vit a été payée comptant par Madame Moussoussedi. Ce qui pose quelques
problème de statut familial à son mari. Mais voilà, comme dans ces situations, le mariage est jalonné de madame, monsieur, madame, ceci dit, jalonné de violence, quoi, de violence plus ou moins quotidienne, que les enfants essaient de ne pas voir. Ils se ferment les yeux, se bouchent les oreilles pour pas trop subir le trauma de cette violence un petit peu récurrente dans la maison. Arrive donc un moment, madame Moussou se dit fatiguée de ces violences et donc demande à son mari de quitter le foyer conjugal en le menaçant d'un coup de revolver, etc., etc. Voilà. Donc monsieur quitte la maison et puis se rend dans son village. Ça, c'est donc la première situation dans ce synopsis. Puis le deuxième personnage, Ixora. Ixora, donc, elle aussi, c'est une femme, on a dit. Ixora aussi va être, grosso modo, excédée. C'est-à-dire qu'elle est excédée par son mari. Pas totalement violent, mais un peu quand même. C'est le mari, mais la traite pas comme son égal, on va dire. Elle est fatiguée d'être considérée comme la dernière roue du carrosse, si vous voulez, par Double B, qui est son fiancé. Et donc elle décide de mettre le holà, et puis elle rompt les fiançailles. Double B, le fiancé, prend la mouche. Va exercer toute la violence qu'elle peut sur sa fiancée qui ose le quitter sans son consentement. Et il va donc la battre et la laisser pour morte sur le bord de la route. Et là, coïncidence ou pas, X sera battu à mort par son fiancé et récupéré par Amandla. Amandla qui fut la première amante de Double B. Donc elle est récupérée par Amandla et une autre dame qui s'appelle Abyssinia. Voilà, grosso modo. Donc, des femmes qui finissent par mettre leurs efforts en commun pour essayer de diminuer la violence que les hommes exercent sur les femmes. Puis, en dernier, nous avons parlé de Tiki. Tiki, voilà, c'est une adolescente de 14 ans. C'est la plus jeune, on a dit. Elle est une adolescente de 14 ans, mais voilà, qui a déjà bien chevillé au corps ce qu'on appellerait la liberté de la femme. Elle a été le témoin privilégié, entre guillemets, des coups et des engueulades conjugales dans sa maison entre monsieur et madame Moussessedi, qui sont ses parents. Donc elle sait très bien se méfier des hommes. Elle prend sur elle de gérer les relations qu'elle a avec les hommes. Elle décide que tout devrait être décidé par elle-même. C'est elle qui donne le tempo dans chacune des relations qu'elle va développer avec les hommes. D'accord ? C'est elle qui décide, c'est elle qui définit le type de relation qu'elle veut avoir avec eux. Donc, ce livre, Crépuscule du tourment, donc je vous ai montré ici, semble être effectivement un roman militant et féministe qui va pousser, qui va promouvoir la liberté de la femme. Le roman met en avant aussi, mais je crois que ça fait partie de cette liberté, une espèce de sexualité plurielle et multidirectionnelle. Il n'y a pas de sexualité orthodoxe dans ce livre. Il y en a, mais il y a beaucoup de pratiques assez hétérodoxes.
Et donc, je pense que c'est aussi ça le trait que Léonora Miano vous soulignait sur la liberté des femmes de décider quel type de relation elles veulent avoir avec les hommes. La femme dont on n'a pas encore parlé, c'est Ixora. Ixora, c'est la fiancée de Double B. Mais voilà, on découvre aussi que Ixora est aussi l'amante d'une autre femme qui s'appelle Masasi. Masasi, en l'occurrence, c'est la coiffeuse de. C'est la femme qui vient coiffer à domicile, Madame Moussousedi. D'accord? Madame Moussousedi, donc c'est une relation un peu compliquée, c'est donc la belle-mère de Ixora, puisque Ixora est la fiancée de Double B. Et Double B est le fils de Madame Moussousedi. Donc, Ixora est accueillie à la maison de Madame Moussousedi parce que c'est la fiancée de Double B. Mais voilà, elle ne supporte pas beaucoup Ixora, comme elle supporte aucune autre compagne de son fils Double B. Et elle va donc un petit peu lui créer des misères, on va dire. Voilà, mais cependant, entre Ixora et Double B, il y a un enfant qui s'appelle Cabral. Ils ont eu un enfant, d'accord? Ils ont eu un enfant et Madame Moussousedi est tout à fait d'accord pour accueillir Cabral, son petit-fils, mais semble rejeter la maman de Cabral, qui est la fiancée de son fils, Double B. Et donc, Ixora, évidemment, n'est pas très à l'aise dans cette maison de Madame Moussousedi. Ça, rajouté au fait que son fiancé la traite un petit peu, comme j'ai dit, par-dessus la jambe, qu'il ne la considère pas beaucoup, ça met un petit peu. Ça facilite d'une certaine manière sa décision de quitter tout ce bazar, de quitter et Double B et de rompre les fiançailles d'une certaine manière. Donc, les tensions, les petitesses, les bassesses entre les deux sexes dans le livre constituent donc effectivement le fil rouge qui traverse tout le roman. Dans le roman, il y a une féticheuse, une ganga, comme on les appelle, on l'appelle dans le livre, Madame Sisako Sone. Elle est guérisseuse, nganga, on ne sait pas trop. C'est elle, la maman de Madame Moussousedi. C'est une autre femme. Et celle-ci, elle croit, contrairement aux autres femmes, que les femmes, en fait, pour être vraiment libres, ne devraient même pas commencer par donner leur virginité à des hommes. C'est-à-dire que c'est elles-mêmes qui devraient décider de comment rompre cet hymen qui fait leur virginité. Donc, des actes féministes assez singulier quand même, assez poussé. Donc, offrir sa virginité pour une femme à un homme, d'après Madame Miano, ou d'après ces personnages, c'est une marque d'asservissement, c'est une marque de subjugation. Madame Sisako Sone, effectivement, pense que cette virginité ne devrait pas être offerte aux hommes. Donc c'est ainsi que Tiki, la sœur de Double B, va organiser son propre dépucelage. Elle va donc louer les services d'un jeune garçon pour arriver à cette fin. Mais c'est elle qui paye le garçon pour que cette opération ait lieu. Il ne s'agit pas d'une domination de l'homme sur la femme, mais c'est la femme qui décide à quel moment, comment ça va se passer,
comment tout devrait se dérouler. Et ça, c'est la marque de la liberté des personnages que l'on trouve dans ce roman. C'est pour ça qu'on parlait d'une espèce de sexualité un petit peu multipartenaire, hétérodoxe, et etc., etc. Donc, pour ce qui est de Tiki, son amoureux doit donc lui donner du plaisir sans jamais la pénétrer, on va dire. Elle doit lui donner le sien avec le godemiché que lui a donné Madame Sisako Sone, sa grand-mère, etc., etc. Donc, tout ça, c'est effectivement c'est un roman qui décrit une espèce de liberté des femmes dans le ton, dans les idées, mais aussi dans les pratiques sociales au quotidien. On a un petit extrait de cette séquence où Tiki, la petite dernière, loue les services d'un homme pour perdre sa fleur. C'est à la page 273, si je retrouve l'extrait, 273 ici. Ici, voilà, on va y être. Voilà, c'est ici. Alors, une chose n'a pas changé depuis mes années de lycée, dit-elle. Je ne couche pas avec les hommes dont je m'éprends. Notre relation est cérébrale. Je ne veux pas qu'ils me touchent. J'ai par ailleurs des amants, un seul ces temps-ci. Nos pratiques sexuelles ne nécessitent pas que je prenne un contraceptif. Je n'en ai pas besoin. Mon amant du moment est une perle rare, le seul à qui je n'ai pas raconté d'histoire pour qu'il consente à ne pas me pénétrer. Non seulement se satisfait-il de me contenter du bout des doigts ou de la langue, non seulement me caresse-t-il le dos et les cuisses lorsque je m'allonge sur lui pour me frotter le clitoris contre son sexe durci, mais il se réjouit d'accueillir dans l'orifice adéquat le phallus en bois que je tiens de Sisako. Ce sont des pratiques sexuelles très peu ordinaires, on va dire. C'est un petit peu comme ça que Madame Yano souligne un petit peu, c'est d'émancipation féminine qui fait finalement, j'allais dire, la base de ce roman qu'on a dit militant et féministe. Voilà pour le synopsis.